À la réserve du Miramar, quelqu'un nous a fait une agréable visite, Mylène de Mongeau. C'est à la réserve du Miramar, vous vous en souvenez peut-être, que nous installons chaque année nos studios. Mais cette fois, nous sommes venus en force. Notre pellicule est développée et montée sur place, ce qui supprime à la fois beaucoup de nos difficultés et la plupart de notre temps réservé au sommeil. Bah, c'est ici que ça se passe. Oui, on se sent bien à son aise, hein? Ouais, je me demande ce que je vais bien pouvoir raconter. Eh bien, vous faites comme les autres. Les autres y arrivent bien. Bah, ça prouve qu'elles sont plus douées et qu'elles ont plus d'imagination que moi, mais moi, chaque fois que je suis à Cannes, je sais pas pourquoi, ça marche pas, l'imagination. Ah Je me bon? sens trop bien. Ah bon? Ouais. Pourtant, vous faites des tas de choses. Quelle chose? J'ai vu votre photographie dans les journaux, tombée à l'eau. Bah, ça fait partie des avantages, risques et périls du métier. Je croyais que ça fait partie du métier, justement. Ouais. C'était pas préparé, ça, non? Non. Vous êtes tombé dans l'eau comme Non. ça? J'ai chaviré. Vous avez chaviré? Notez bien que quand j'ai vu cette barque, je savais très bien qu'elle était si ronde que ça ne manquerait pas d'arriver. Alors, c'est, mettons, 50-50. Et qu'est-ce que vous faites à Cannes, alors? Qu'est-ce que je fais à Cannes? Vous avez toujours le sourire. J'ai un bon caractère, j'ai un naturel optimiste et il y a beaucoup de gens que j'aime à Cannes, alors je suis très contente, je connais des tas de gens maintenant. Et puis comme beaucoup d'autres ont mauvais caractère, alors ça vous donne encore meilleur caractère. C'est pas vrai, parce que ce n'est pas parce que beaucoup d'autres ont mauvais caractère que moi j'ai tout d'un coup bon caractère. Mais je veux dire que c'est à cause de ça que les gens pensent que vous avez encore meilleur caractère que vous avez, parce que Bah faut alors quand même pas exagérer, hein? c'est une grande chance, non? Ben, oui. Mais est-ce que vous couchez de bonne heure à Cannes? Non, d'abord parce que je suis célibataire, mon époux est resté à Paris, et comme je vous le disais tout à l'heure, comme je connais des tas de gens à Cannes, et ben on va se promener à Cannes, en dehors de Cannes, on danse, on se balade, et puis voilà, et puis ça fait tout ça fait très tard. Mais je sens qu'on va voir votre mari, hein, Oui, je sens qu'il va bientôt. arriver en grande vitesse C'est peut-être là. ça que vous Hein? voulez, non? Peut-être bien aussi, ouais.